Bonjour et bienvenue à Pascal, né le 6 février 1965. Pascal, c'est votre anniversaire et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, c'est votre tirage de cartes, c'est votre cadeau. Vous avez gagné au tirage au sort pour le signe du Verseau pour ce mois-ci. Eh bien voilà, je vous accueille pour votre tirage de cartes aujourd'hui avec ce décor, on va dire. Et puis votre tirage de cartes avec la vie en rose. On est toujours avec la vie en rose pour ce mois-ci, pour ce mois de février. Et on est prêt, vous êtes prêt, Pascal. Je vais mettre, mais voilà, je vais vous mettre ici comme ça, vous voyez votre petit mot où vous avez gagné votre tirage de cartes. Vous êtes prêt? Alors on y va. Joyeux anniversaire, profitez bien de votre journée. Nous sommes le 6 février, c'est votre anniversaire. Anniversaire de Pascal. Je me connecte avec vous, Pascal, et on y va. Pascal. Très bien. Alors, apparemment, il y aurait aujourd'hui un message qui va vous donner une idée. Vous en avez besoin. Pascal. Ouais, sortie du noir. Hein. Alors on va remettre la carte comme ceci. Ça passe très bien comme ça. On voit bien que vous avez des idées noires. Vous avez des idées un petit peu. C'est passager, hein, mais aujourd'hui c'est un jour spécial parce que vous allez avoir une très bonne idée pour sortir de votre. De vos problèmes, de vos soucis. Vous allez avoir un message qui va vous être envoyé en SMS, en messagerie mail. On voit bien ici cette carte. Oh, Pascal, Pascal. Vous sortez quand même d'une épreuve douloureuse. Et on vous dit là avec ces cartes de ne plus penser à ce qui s'est passé et d'aller de l'avant. Pascal. Oh, Pascal, des messages pour Pascal. Voilà, vous devez vous rassurer parce que vous êtes protégé en fait. On vous le dit ici, vous êtes protégé. Vous ne risquez pas finalement de vous retrouver dans quelque chose qui va continuer, qui va être encore plus difficile. On vous dit qu'il y a une belle protection pour vous. Même si vous avez peur de perdre de l'argent, que vous ayez peur pour votre sécurité financière, sécurité qui va avec votre travail. Vous allez sortir de ce tunnel. Voilà. Alors si on vous a fait du mal, ce sera peut-être en famille. Si on vous a fait du mal, vous allez pouvoir et vous allez enfin pardonner ce qui s'est passé. Ça correspond un petit peu au tirage de cartes que j'ai fait pour cette semaine, si vous le regardez. Vous verrez, il y a quand même une similitude avec ce pardon. Si on vous a fait du mal, eh bien, vous allez pardonner malgré tout. Pardonner pour vous soulager, hein, même si vous n'allez pas dire à la personne que vous pardonnez ce qu'elle a fait. Vous le dites pour vous déjà, et ça va aller de mieux en mieux. Voilà, c'est ça. On a bien une histoire de pardon. On a bien une histoire de lâcher prise sur ce qui s'est passé. Parce que de toute façon, ça va vous rendre encore plus malade. Vous voyez, vous avez carrément ces deux cartes-là qui se ressemblent beaucoup, je trouve. Hein. Vous avez tout intérêt à passer à autre chose. On vous le dit ici. Ça ne sert à rien de revenir en arrière, en fait. Il faut lâcher, vraiment. Hein. Voilà, vous recommencez. J'ai pris le paquet pour regarder ce qu'il y a dessous et vous recommencez à zéro.
Il faut oublier le passé, passer à autre chose, Pascal. C'est vraiment important. Pour ce jour d'anniversaire, vous allez avoir un message, vous allez avoir un signe, une personne qui va revenir vers vous alors qu'elle vous a fait du mal. Eh bien, même si vous avez du mal à dire pardon, ou cette personne a du mal à vous dire pardon, vous allez quand même au fond de vous pardonner cette personne, malgré tout, pour respirer là, parce que vraiment c'était étouffant. Peut-être que vous vous sentiez même étouffé par rapport à une situation. On voit que c'est vous qui allez trouver un échappatoire, on va dire. On va en savoir davantage, un petit peu des messages pour Pascal, pour son jour d'anniversaire pour Pascal. Voilà, hop là, ça s'envole. Donc nous avions cette carte qui est sortie. Donc aujourd'hui, vous allez vraiment recevoir un cadeau, même je dirais un beau cadeau, un colis, j'ai l'impression, qui va parler un petit peu quelque chose qui vous a. Alors, c'est quelque chose d'utile, mais c'est surtout quelque chose qui va peut-être décorer votre maison, décorer votre intérieur. C'est de l'art. Ça va être peut-être, je dirais pas un tableau, mais ça pourrait être quelque chose qui va vous être utile dans la maison, qui va amener un plus, une décoration. Voilà, vous sortez du négatif ici, on le voit avec la carte du serpent. Vous avez broyé du noir, vous vous êtes construit ces derniers temps avec du négatif qui vous emmène nulle part de toute façon, qui vous emmène vers le noir. Hein. Il y a des paroles qui vous ont blessé. On va regarder les autres messages pour vous, Pascal. Pascal pour le 6 février, le message pour Pascal. Voilà. La clé est de se concentrer sur vos idées. Peut-être le côté artistique, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, le cadeau que vous allez recevoir, va peut-être vous aider à aller de l'avant. On vous demande de vous concentrer sur votre carrière. Tout ceci n'a pas d'importance pour aller là. J'ai des cartes qui sortent, très bien, on va les prendre. Alors, nous avons. Bon, eh bien, ça parle quand même d'un côté que vous avez, un don que vous avez peut-être pour l'écriture. Peut-être que vous êtes jalousé justement par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a empêché en tout cas de vous produire, d'aller vers ce que vous aimez et surtout d'avoir une reconnaissance. On a parlé en mal peut-être de votre œuvre. Vous avez peut-être écrit un livre, vous avez peut-être fait quelque chose pour avoir une ascension professionnelle, avoir une reconnaissance, briller par rapport à ce que vous faites, puisqu'on a le soleil ici. Peut-être que votre histoire est très jalousée, elle n'est pas comprise parce que on n'a pas envie de vous voir devenir finalement, d'avoir une reconnaissance, oui, on a peut-être peur que vous ayez à réussir, voilà, vous ayez à comprendre comment ça se passe par rapport à votre art, à votre œuvre. Vous avez peut-être trouvé une personne qui va vous aider et vous êtes très jalousé par quelqu'un, un entourage proche qui ne voit pas qui ne voit pas. Ce que vous avez produit ne voit pas le travail que vous avez fourni et qui ne voit pas d'un bon œil finalement votre réussite presque à devenir une vedette dans ce que vous avez envie de devenir, d'être peut-être reconnu pour votre travail artistique. Donc il y a comme de la jalousie. Mais de toute façon, vous allez fermer un petit peu les yeux et passer à autre chose, là, par rapport à ces médisances, pour fêter vraiment votre anniversaire déjà. Et une proposition vous sera offerte, hein, malgré ce passage difficile là pour votre œuvre, parce que vous avez peut-être quelque chose qui vous tient, une passion, et vous avez été jalousé par rapport à ça. Jalousé parce que on n'a pas envie de vous voir réussir. Pourquoi?
pourquoi on n'a pas envie de vous voir réussir, parce que ça dérange la personne, peut-être qu'elle fait la même chose que vous, voyez. C'est une occasion favorable aujourd'hui pour vous. Vous allez recevoir, si ce n'est pas aujourd'hui, le jour de votre anniversaire, en tout cas ce sera peut-être demain ou après-demain. Il y a quelque chose pour votre anniversaire, une ascension et une aide, une occasion favorable, une aide pour pouvoir avancer dans votre projet. Si vous avez une question avec ces réponses angéliques, vous pouvez déjà poser une question, Pascal, on va voir ce qui va sortir pour vous. Voilà, on a déjà une carte. Dans un an, vous aurez les résultats. Les résultats de vos efforts, les résultats de toutes les démarches que vous faites pour ce livre. Le livre, le roman, une histoire en tout cas que vous avez racontée sur papier. Alors on vous offre peut-être quelque chose aujourd'hui. Je vous ai parlé de colis tout à l'heure pour le décor de votre intérieur. Mais ça peut être aussi un outil pour aller vers la création d'écriture, hein, on va dire, d'écriture. Alors, repensez-y, on vous dit, si ça avait été une question que vous posiez, et des relations profitables. Voilà, allez vers des personnes vraiment qui sont beaucoup plus positives qu'un entourage poison, on va dire, hein, vraiment. Hein. Il y a des personnes que vous allez rencontrer dans peu de temps, Pascal, qui vont vous aider pour réussir votre projet. Regardez, ce sont des relations profitables, ce sont des personnes qui croient en vous et qui vont vous aider. Pascal, voilà un message pour Pascal ici, nous allons regarder le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Je vous fais voir le message, je vous le mets ici, comme ça vous faites pause et vous aurez le message pour vous. Voilà. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé pour ce que vous avez fait, pour votre œuvre. C'est beau, c'est bien, mais attention, parce que ça peut être néfaste pour votre bien-être. Pour continuer, en fait. Il faut vous ménager, là, en ce moment. Hein. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de personnes qui empêchaient votre travail. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous êtes jeté encore plus à travailler davantage. Donc, finalement, Pascal, eh bien, maintenant, on vous demande de calmer le jeu. Pour laisser ces personnes de côté, déjà. Et puis, pour vous retrouver, vous, parce que le travail que vous avez fait, eh bien, maintenant, vous pouvez récolter, puisqu'on voit ce message ici, récolter. Avec la lumière ici, vous étiez dans le noir. Avec cette lumière et le message, vous allez récolter tout ce travail que vous avez fait. Vous allez récolter les lauriers, on va dire. Ici, nous avons sérénité. Voilà. Un message pour vous qui vous dit sérénité. Je vous le mets ici, comme ça, vous l'avez un peu plus près pour l'enregistrer pour vous. Voilà, vous ferez pause. Et alors, Pascal, nous avons marqué sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Voilà, laisser passer cet orage. On avait tout à l'heure la bénédiction et le pardon. Laisser passer... finalement, ces personnes négatives, laissez-les de côté. Ça ne vous regarde pas, vous êtes beaucoup plus lumineux que ça, vous méritez mieux que ça. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que ce cadeau vous aura plu, en tout cas pour votre anniversaire. Vous qui êtes Verseau, qui avez gagné pour ce tirage au sort. Nous nous retrouvons pour le mois prochain avec le signe du Poisson. Je vais faire une vidéo pour que vous puissiez vous inscrire au tirage au sort pour le signe du Poisson pour le mois prochain, entre le 20 février et le 20 mars, ce sera le signe du Poisson qui pourra participer au tirage au sort et gagner sa vidéo pour le jour de son anniversaire. En tout cas, vous pourrez voilà, vous inscrire avec cette vidéo. Et puis, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées au mois de fin janvier, début février, toutes les personnes du signe du Verseau. Je vous souhaite
un joyeux anniversaire. Je vous embrasse et puis je félicite encore Pascal. Voilà, vous avez eu votre cadeau. J'espère que vous me ferez un petit retour, même si vous voulez en message mail. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, pour les personnes qui suivent la chaîne Bélude, de cliquer en dessous de cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée et vue par plus de personnes. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je remercie les personnes qui me suivent et qui sont abonnées à la chaîne Bélune. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.